boss, Théo, c'est chaud. La reine Mère Bio décide d'étaler tous ces soi-disant personnes qui disaient qu'ils étaient avec elle, qu'il la soutenait. Mais quand il faisait le coucou, il y avait un coucou concernant peut-être Fleur de Lille compression. Il venait comme ça, il venait la parler. Que oh, c'est bien comme ce qui est en train d'arriver peut-être à Fleur de Lille. La personne là qui l'envoie constamment les voices, qui l'écrivait un message, elle a décidé d'exposer tout. Apparemment, c'est une lolomania. En même temps aussi, c'est une sympathisante qui l'aime bien et qui l'apprécie. Et vu qu'il a bien confirmé tous les dits de compresseur concernant ses sorties, en tout cas la famille, on écoute. Ça nous choque au fait. Il n'y aura plus. Il y a quelqu'un qui me dit que, ah, il l'a retrouvé. Ah, il l'a retrouvé. Ndole Moulema a confirmé que tu avais déjà fait la paix avec Moussa. Parce que, grâce à son président. Donc, Ndole Moulema, moi, Gassam, du haut de mes 52 ans, je me connecte sur ma connexion internet, dans mon téléphone. Et je vous explique quelque chose. Mais c'est ce que Ndole Moulema a dit qui est vrai. Ah, il l'a retrouvé. Parti. Partez. Sans qui? On avait rendez-vous. On se connaissait. Si ce n'est pas pour la souris avait mangé le du café, on devait se voir où? Mais je me demande, hein? Mais petit minute, mais petit minute, mais petit minute, mais petit minute, mais elle dit, la moindre des choses, c'était de ne pas clasher, surtout à tes soi-disant sympathisants. Dire, j'ai jamais clashé, j'ai donné l'heure juste et la vérité. Si vos oreilles qui se nettoient, d'ailleurs, on n'est pas plus à 7 heures, les oreilles avec le coton hydrophile pour votre gouverne. Nos pays, on savait dire que les oreilles se nettoient avec du coton hydrophile. Alors, on ne nettoie plus avec le coton hydrophile. Je vous donne un conseil, vous qui avez les oreilles fermées, bouchées, le niveau d'intelligence assez bas. Quand vous entendez quelque chose, c'est le mot de téléphone de la personne qui m'a écrit ce message et qui m'a mis hors de moi. J'ai dit qu'aujourd'hui, je fais son testament et je mélange tous ceux qui pensent dans la même idée qui se désabonnent. J'ai compris, non, ma chérie. Voilà. Laissez-moi vous dire, c'est parce que vous me comprenez à tort et à travers. J'ai clashé personne. Jusqu'ici. Et j'ai ordonné et décidé et déclaré et persisté et signé et résisté. Je ne clash personne. Donc vous nettoyez d'abord vos oreilles. Pas avec du coton. Je vous donne la forme. Vous pouvez couper la partie là pour mieux comprendre. Je suis venu ici vous dire combien de fois que je n'ai pas clashé. Je n'ai pas fait de paix avec le compresseur. Et même si je faisais la paix avec elle. And guess what? Et puis quoi encore? On peut se faire ce que Flo Machina quelqu'un m'a fait. Bref, comme disent les gens, tu n'es pas celle que les gens, parce qu'elle c'est nous et les gens. Les gens là, et là, et là, à vous tous, autant que vous êtes. J'ai dit autant que vous êtes, les gens qui font ma bouche comme ça, c'est vous et vous-même. Ça veut dire que autant que vous êtes confondu, et là, vous je sais même pas quel mot utiliser. Autant que vous êtes les gens. Et elle dit, tu fais extrêmement au contraire de ce que tu chantes. Ah, elle est un peu marre. Parce qu'elle dit, tu te proclames pas avocat de la Buta pour hier. Elle a dit que elle a dit que c'est pour le chèque de Buta que tu as choisi faire les problèmes à Baba. Et ton comportement le prouve au fait marre. Hein? Et toi? Et vous tous autant que vous êtes. Et Ngoï même. Rien à foutre. Nadège et Patricia encore oui, car ce monsieur les avait insultés en vrai. Toi, c'est à cause des pics que tu te rabaisses et deviens ridicule, ma grande. Les pics là. Je vais te dire les pics là. Si tu peux pas savoir comment la santé psychologique de quelqu'un peut être abîmée par l'harcèlement, le lynchage et les pics. Les pics là. Que tu entends là. D'accord? Donc, quand tu dis que lui, ceci, cela, on continue. Sinon, tu ne devais pas faire la paix par derrière avec Ngoussa. Donc, le problème, c'est la paix avec Ngoussa. Maintenant, Ngoussa même, c'est qui? Donc, ce que Ngoussa vit vous préoccupe tellement que savoir que quelqu'un fait la paix vous dérange. Parce que Ngoussa, et machin, et ceci, j'en ai rien à foutre. Donc, vous vivez en vous rassurant que la paix n'est pas faite avec Ngoussa. Quand vous oubliez que Flore Magina Kenkankoulia, qui a voulu me détruire, même Ngoï et Lolo qui achètent souvent se sont respectés car je les savais. Que Patricia Ngoussa Gluta était amie avec ce monsieur. Bon, car elle respectait, car elle savait que, comme le clavier des vaches, que Patricia Ngoussa Gluta était amie avec ce monsieur hier. Et même Nadège l'a déjà rencontré un jour. Et toi, il était au deuil de ma belle-mère à Paris, petite peste. Et avant s'acheter à son anniversaire de 1 an de mariage au Cameroun à l'église Saint-Jean Bosco, petite peste. Avant même de. Ma grande soeur chérie, tu auras cette femme veut me doter. Avant même d'arriver, avant même que Ngoï ne vienne au Canada pour la première fois. Voilà, je suis allée avec Patricia, ma préférée. Petite peste. Tu l'as déjà vu où? Il l'a redonné. Franchement. Après, elle dit, condition, je les assume à haute et intelligible voix. Je préfère être seule et être dans la vérité que d'être en groupe et tourner dans le mensonge. Elle écrit en bas. Je ne la connais pas. Hein? Elle ne dit même pas bonjour. Premier écrit. Dans la relation de Amer Kamer et Kenkam était par rapport aux ventes de piments. Amer louait seulement sa chambre aux vendeuses de piments où il fait aussi la vente de piments. Moi, je réponds. Elle m'écrit le 22 septembre. Il était 3h du matin quand elle m'a envoyé. Peut-être c'était la vidéo qui parle de ça avec quelqu'un et machin. Il était 3h28. Et moi, à 1h19, à l'heure que je vois, je mets les yeux. Je mets Joanda et je mets les yeux. Et c'est tout. Et c'est tout. Hein. Elle me renvoie encore une autre affaire de Ngoï. Ça, c'est Ngoï quelque part, de quelque chose. On dit quoi? Ah, c'est Poche Cayenne. C'était là. Mamienne. Elle m'envoie. C'est la Poche Cayenne qu'on voit que Nadège ne va pas. Elle m'envoie ça. C'était la Poche Cayenne qu'on voit que Nadège ne va pas. Elle m'envoie ça et elle met dessus. Bien parlé. C'est elle. Toujours elle. Moi, je ne réponds même pas. Voilà. On est quelle date? C'est le inbox avec la madame, 28 septembre 2022. Vous dites comment les malades, les gens qui sont contents de voir comment les gens se mangent. Je suis le 1er octobre, donc de septembre 26 au 1er octobre, elle me transfère encore. Coco Coco officiel en direct. Bon, ça c'est Coco ma fille en direct. Ma fille Coco en direct, elle me transfère. Et moi je vois ça, elle me transfère ça le 1er octobre, je vois. Et moi je viens, je fais salut. C'est tout. Je fais salut et puis c'est tout. Ensuite, elle me transfère. Flore de Lille adresse ses excuses à Nadège matin. On est déjà en. Le 2 octobre, je fais salut. Le 2 octobre que je fais salut là, elle m'envoie ça. Je lui fais ça à 2h12 du matin. À 4h, je m'envoie Flore de Lille adresse ses excuses à Nadège matin. Le message dit qu'elle.
fleur de lilas est une pousse poisseuse. Elle avait connu un blanc dans son waka. Le blanc a acheté le terrain à son propre nom. Il a construit l'immeuble quand Fleur était sa copine avec qui il comptait s'installer avec elle après son divorce. Mais après, il a découvert que Fleur le trompait avec son employé. Il a récupéré son immeuble. Si Fleur est une femme, qu'elle montre le titre foncier où elle va vivre là-bas. Elle a même interdiction d'y mettre les pieds. Remarque, quand elle y va, elle fait jamais une heure de temps. C'était Robocop Dorcas Jimtep. Parce que même Jimtep, tout ça là, hein. C'est un profil qui s'appelait comme ça, qui a fait le texte là. Elle m'envoie. Elle dit, ça a cuit. Elle dit, ça a cuit. Elle dit, ça a cuit et ça a yam. Elle dit, c'est elle. C'est elle. Non. Il faut qu'on agisse. Parce que vous devez comprendre. Parce que parfois vous accusez vos leaders, vous les gens qui avaient des teams. Mais il y a des gens derrière, hein, qui travaillent plus que les leaders là. Comme celle-ci. Mais il faut qu'on agisse jusqu'au bout. Hey, c'est le sujet. C'est important que la parce qu'il y a des gens qui se connaissent. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Parce que tu, il faut qu'on sache. Que voilà. Ça, c'est le 10 novembre 2022. Elle m'envoie ceci. Droit de réponse de Angoui. Droit de réponse Angoui Kokokoto. Elle m'envoie. Voilà. Maintenant, elle envoie l'écrit. Waouh! Coco a fini avec Fukui. Coco était déjà calme et elle avait fait 4 chambres hier. Les conséquences sont. Elle m'imagine qu'il pleut, peut que vomir les verres. Ngoï, on ne pleure pas. Moi, je viens, je fais lol. J'ai pas le temps de causer. J'ai pas trop de temps là. Je viens, je fais lol. Voilà. C'est toujours elle. Regardez. Vous pouvez voir le verre, c'est moi. Je suis où ici? Parce qu'elle a dit que je sors dans les divorces des enfants. Ça m'a énervé. J'ai dit, yes. Amon comptait sur quoi pour porter plainte d'Angoï? Voilà, on ne pourra plus respirer maintenant. Nous sommes pas contents. Comment Amon vous a foutu ce genre de honte? Déjà, tous ceux qui disaient avoir porté plainte à quelqu'un sont passés de quel côté? Si bien qu'elle est rentrée sur Paris, elle ne laissera plus les gens respirer maintenant. J'ai écrit en réponse, c'est en procédure. Ouais, tant si. On était quelle date? 22 novembre. La seule réponse, elle a parlé de la plainte. J'ai dit, c'est en procédure. Parce que s'il dit qu'il a porté plainte, il y a une procédure. Si on te porte plainte lundi, et que m'a dit, tu prends ton vote, parce que le temps que la plainte passe pour arriver ça dans la main des gens. J'ai dit, c'est en procédure. Ouais, tant si. C'est ce que je lui réponds. Elle revient maintenant, 27 novembre. Ouais, non, elle me donne ça. Elle chancelait comme ça. Les accusations de cette sur toi est grave. Hein. Elle dit que tu avais amené le nom de quelqu'un chez un marabout au pays. Quel mensonge, mon Dieu. Mais s'il te plaît, tu as les balles sur cette femme. Verse seulement. Même les vidéos, s'il te plaît. Elle te lave, maman. Même où elle suce le micro. Verse. Si c'est elle, elle ne te loupera pas, maman. Mais il n'y a encore personne pour donner une leçon à Ngoï. Donc c'est un direct d'Ngoï. Samedi 21 octobre. Elle m'envoie encore une autre vidéo. Ouais, coucou, René Bio. Coucou. Comment ça va, tout le monde? Vraiment, désolé, je te jure. Mais c'est bon, j'ai déjà fini. Mais c'était important. Elle me soutient avec quoi? Elle m'envoie un message comme ça. Elle me dit que je suis dans les immorts des enfants. Je suis une athée. Je sais qu'elle m'expose. Je vais partager ce qu'elle est. Elle va m'insulter. Bon, que l'on a fait ce patio. Quelqu'un pour m'en faire ça va où? Faut arrêter un peu. On essaye de faire qu'on va saigner la toile. Et les gens sont en train de me traiter des choses que je n'ai pas fait. C'est pas gentil. J'ai avancé avec ceux qui font avancer avec moi. Tu comprends, non, maman? Je ne vais pas. Puis c'est bon. Mais j'ai déjà tout exposé. Même les mêmes immorts, tout est fini. Merci beaucoup. Que dès que le gros truc de la suite, parle, t'as laissé finir ton direct. Si tu n'es pas en direct, on va t'appeler. Elle va te dire que la belle lance-nous en direct. Oui. Il parle même de quoi là-bas? Je suis parlé. Il a demandé à ces gens, à ces agents sataniques qui sont en train de s'agiter dehors là, de déposer les armes, de ne plus insulter la Glitter Boss et son équipe et tout et tout. Bam, Compression a gagné. Aujourd'hui, avant même, j'appelle Compression parce que Compression a gagné le combat. Parce que c'est les deux dernières sorties qu'elle a faites. Elle a dit, hé, hey, tes gens inventent encore un truc sur ma boss. Je verse Marie la régie. Mais elle a commencé à verser. Le gars a compris que c'est chaud. Compression a gagné le combat, c'est officiel. La preuve, ça veut dire que ce que Compression a dit sur ces deux dernières vidéos concernant M. Sal et Marie la régie, c'est la vérité. Parce que si c'était le mensonge, il n'allait pas venir sortir pour dire que déposer les armes. Et je laisse vous dire que le direct qu'il vient de faire là, c'est le semblant. Parce qu'il va toujours opérer derrière. Il a fait ça parce qu'il y a deux trucs qui sont en jeu ici. De un, la vie privée de Marie la régie qui commence à être exposée. Mm-hmm. Et ce n'est pas le mensonge qui sort, c'est la vérité. Parce que tout ce que Compression dit un jour, c'est dans ses directs. J'ai eu à dire dans mes directs les concernant plusieurs fois. Mais comme c'est le virus qui parlait, on ne m'avait pas cru. Deuxièmement, le fait que Yves Maria, qui n'ont pas déclaré ici, est signalé, la panique t'installe, y compris qu'ils sont en danger. Mm-hmm. Donc il faut rendre de la paix, la cible de la vérité, arrêter d'insulter, déposer les armes. Quelles armes? Mm-hmm. Tu vas toujours continuer à opérer dans les babas. On ne va rien laisser, monsieur Saleté. On ne lâche rien. Compression a dit, c'est la vérité. Et il y a même plus que ça. J'avais déjà dit ça à Bam. Et il y a pire que ça. Le monsieur, les mamounes, il est parlant à cause maintenant parce qu'il voit que les fesses sont en train d'être étalées et il y a le pire qui va sortir. Compression a dit qu'on va filmer la maison de la maman de Marie, la régie, on la voit. Il comprend que c'est lui qui vient dire, monsieur propre, il veut montrer qu'il conduit les grosses voitures. Il vient. Allez, va, allez, va, allez, va, on voit que c'est ta belle-mère vit dans les lobbies, dans la saleté. Maintenant, il vient dire que déposer les armes. On ne dépose aucune arme. On est avec toi. Bas la terre, bas la table, bas le pied jusqu'à la guerre. Mon petit, pas mes, je t'appelle mon petit. Tu comprends, non? Oui, mon petit. On va courir. On va accoucher votre premier fils. La maltraitance de ça. On dit que Patrick m'a maltraité. Il ne va pas encore bien. Sa vidéo qu'il a fait maintenant, là, c'est le semblant. On ne lâche pas. On va aller jusqu'au bout. Insulto ou pas insulto, ses fesses seront dehors. Et ce n'est plus moi, ce n'est pas moi. C'est Compression. Compression, on ne lâche rien. D'ailleurs, tu connais, non?
Tu sais qu'il va se placer devant, il dit non, ne fais pas, mais derrière, il dit que fais, allez faire comme ça, allez faire comme ça. Donc, fais pas, fais foutre. Et votre produit brûlé, là, vous n'allez pas vendre ça, balata. C'est les signalements aux finances. Chaque semaine, j'appelle au moins deux fois en anonyme, avec les noms différents, je signale. Oui. Elle a un fils, elle a même un enfant avec un Haïtien. L'Haïtien, elle était partie avec, elle ne connaît même pas où l'enfant là se trouve. Mm. En dehors des les trois qu'elle a dans la maison, là, sa fille qu'elle a fait ramener du pays, le fils que l'autre compositeur a dit qu'on a mis dehors, elle a un autre enfant. Avec un Haïtien, elle ne connaît même pas où il se trouve. Yeah. Donc, elle va porter son enfant, la fille à Pologne, en Allemagne. Son nom est partout. Elle est sunoise. C'est le genre comme si elle est trop calme. Pardon, vous laissez ça. Dites à Pandjang Sang de venir nous expliquer les tâches qu'il a souvent sur le corps, les cicatrices de ça. Quand ça ne veut pas, elle pète un câble, elle prend le couteau. Elle dit... Il a dit ça. Hier, qui va monter pour nous expliquer. Moi, j'étais pas là. Moi, je suis bloqué. Il avait dit à Tatana qu'il débloquait déjà. Moi, il m'a pas débloqué. Et le mal que je soutiens la Guta. Moi, je soutiens la Guta. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est de déposer les armes. Moi, j'ai demandé à ce monsieur quand ça commençait, quand il avait sa main sortie. Moi, j'ai dit si c'est moi, ça peut, je me sors. Parce que quand tu as comploté les gens, ils viennent donner le secret dehors comme ça. Mais tu parce qu'il y a beaucoup de choses que ça peut sortir. Donc, tu évites les dégâts. Tu évites que ça s'éclabousse davantage. Tu laisses. Tu dis, OK, il a dit comme ça. Tu es tranquille. Il va parler comme moi, je peux aussi. Depuis que tu parles, il ne répond pas. Et ça va finir. Ça va couler sous les rochers. Il ne m'a pas écouté. Il est sorti parce que gringo. Il y a quelque chose qui l'oppresse. Il est oppressé. Il n'arrive pas à parler. Mais l'envie là, elle là, ça boue au fond de lui. C'est une question de temps. Le chien ne change jamais sa position de s'asseoir. Et lui là, il ne peut pas changer. Ce qu'il a fait, c'est parce que Compression l'a touché bien. Oui. Compression l'a bien touché. Maintenant, il vient se placer devant, il fait semblant de demander qu'on arrête d'insulter la gluta boss. Et par derrière, il va toujours dire qu'allez insulter, mais quand vous insultez, ne prononcez plus mon nom, au fait. Ah, c'est donc, maintenant, ah, d'accord, virus. Donc, sa technique, c'est que par devant, il va venir dire que arrêtez d'insulter la gluta boss, mais par derrière, il va dire que continuez. Ah, c'est ça qu'il veut faire, en fait. Effectivement, encore on continue à insulter la gluta boss, mais que quand on insulte gluta boss, on ne dit plus que on t'insulte à cause de mes sangs. Donc on ne met plus son nom devant mais quoi. Mais on ne pourra plus l'insulter parce que gluta boss n'a rien fait aux gens qui défendaient mes sangs, il l'insultait. C'était les L moi à détester. Mais là maintenant qu'il dit qu'il ne veut plus qu'on le défende, donc ça veut dire qu'il dépose des armes. Il n'y a plus de. C'est pour qu'il y ait gay pour deux protagonistes. Donc lui il annule sa place. Donc une seule personne ne peut plus continuer. Donc c'est fini. Il n'annule pas sa place. La reine Mebio, c'est la pure manipulation. Il veut que les gens disent que oui, n'est-ce pas? Il avait demandé de à son nom. Et pourtant que par derrière, il est toujours en train d'opérer. Compression et l'abbé Samé nous ont dit comment il opère. Lui, il vient se faire passer pour monsieur propre, mais il appelle derrière, il dit que insulte tel. Mm-hmm. Et comme jusqu'à présent, l'insulte Gluta Boss en mettant son nom dedans, il a juste demandé qu'on ne mette plus son nom devant. Mm-hmm. Pour quelqu'un qui comprend, il a juste demandé qu'on ne mette plus son nom devant. Donc on peut toujours insulter la Gluta Boss, mais qu'on ne mette pas le nom de Parasirage, que c'est à cause de Parasirage, que tu vois, non? Oui, mais ça... Ça va changer quoi, puisque de toute façon, si on continue à insulter la Guta Boss, on saura toujours que c'est toujours sur le même problème. Quand on a mis son nom devant ou bien derrière ou bien en dessous, on sait bien qu'on continue à insulter la Guta Boss par rapport à ce problème, par rapport à venir le soutenir. Mais parce que tout demain, parce qu'il va revenir et qu'il va revenir en force pour insulter la Guta Boss et Compression. Et ça sera pour dire que j'avais dit qu'on n'insulte plus à mon nom. On n'insulte plus à mon nom. Pourquoi vous appelez toujours mon nom? Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que Virus a dit. Chez la reine Mère Bio. La partie avec laquelle je ne suis pas d'accord avec, concernant l'histoire de Parham et son compresseur là-bas, quand tu le connais, deux personnes qui ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont fait le propagateur sur les autres personnes. Donc, vous ne connaissez pas si réellement ce que le compresseur dit est vrai ou c'est faux. Donc, là-bas, tu ne peux pas confirmer ce qui est dit de Virus Udia qui affirme ce que le compresseur dit est vrai. Je ne sais pas si elle aussi elle était là. Quand Pam s'en faisait le cocato avec compresseur, mais concernant en fait que concernant le sabotage des produits de Pam s'en, je dis non. Pourquoi? Parce que Pam s'en, au moins je suis de la femme de Pam s'en. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le blog, ça doit s'arrêter. La même chose qu'ils ont fait à Flore, la même chose qu'ils continuent toujours à boycotter les produits peut-être de leurs consoeurs ou blogueuses qui essayent peut-être d'émerger là-bas. Je dis non. Pourquoi? Parce que je ne participe pas peut-être là où on cherche à détruire une personne qui cherche ne serait-ce qu'à investir ou alors à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est la partie là qui dit non. Stop à venir lui dire. Toi-même, parce que si toi-même aujourd'hui tu te lances peut-être dans l'entrepreneuriat et qu'une personne commence à saboter ton commerce, je ne pense pas que toi-même tu vas aimer. Donc, à un moment donné, vous parlez dans vos histoires des clashs pour les insultes. Les insultes n'ont jamais échangé la couleur de peau d'une personne. Les insultes n'ont jamais changé le personnage. Même si je le fais, la certes, ça va faire mal à part, mais ça pourquoi? Parce qu'il a mangé, il a bu avec Compresseur. Compresseur était son allié. Compresseur était comme plus qu'une soeur à lui. Mais. Ça ne peut pas changer son personnage, ça ne peut pas changer son nom que son père ou sa mère lui ait donné. Non, son nom va toujours rester Parme ça. Certes, peut-être vous cherchez peut-être qu'il quitte ou alors il se fasse sur la toile. S'il va quitter, mais je ne pense pas que, vu qu'ils ont lancé leur produit sur le marché, peut-être maintenant il ne peut plus venir faire le cocato concernant les histoires des femmes, mais il va maintenant un peu mesurer quand même ses propos avant maintenant de venir dire qu'il va encore recommencer à faire ses lives comme d'habitude sur la toile. Mais pour le moment, vous-même, vous voyez comment il est un peu en regret. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de dire actuellement,
uniquement sur lui, c'est fort. Donc, c'est fort, les virus du diable qui viennent uniquement activer le feu. Oui, pourquoi? Parce que même si on peut aujourd'hui, peut-être fâché, peut-être son grand frère, peut-être par rapport peut-être à l'acte qu'il a commis, osé envers son allié dire qui était l'abbé Samé, qui prenait l'abbé Samé comme son fils. Donc, en fait, peut-être il n'a pas aimé, il n'a pas apprécié peut-être la correction que par mais ça peut-être a eu à dire, peut-être qu'on doit faire à l'abbé Samé. Et pour ça, avoir dit que nous, il faudrait qu'on laisse la faire ici. Et que par mais ça, il a toujours continué à dire que non, il vient tout se justifier. Et maintenant, il a payé les Nadège Bapa. Peut-être voilà ce qui a fait sortir, peut-être qu'on peut aussi les secondes. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais arrêtez un peu le sabotage des produits de vos consommateurs. Toutes ces personnes-là qui essayent d'évoluer. Merci.